Notre extraterrestre cette semaine, c'est Butch. Ah bah c'est Phil Collins. Ah bah oui, une superstar vraiment hors norme. Depuis 20 ans, Phil enchaîne les tubes, taillé sur mesure pour la FM. Et d'ailleurs, il est actuellement numéro 1 des ventes de disques en Europe avec son best-of. Mais ce que l'on sait moins, c'est que c'est aussi grâce à la batterie qu'il est entré dans l'histoire. Eh bah oui, un connu tout terrain que l'on découvre un peu mieux tout de suite grâce à Bruno Deltombe. Phil Collins, c'est une des plus grandes pop stars de la planète. En 20 ans de carrière, il a écoulé 80 millions d'albums, principalement grâce à ses ballades. Mais derrière ses mélodies langoureuses, la botte secrète de Phil, c'est son jeu de batterie, l'autre clé de son succès. La batterie, c'est une obsession pour Phil Collins depuis l'enfance. À 3 ans, il a sa première batterie jouée et ensuite... J'ai acheté ma première vraie batterie à l'âge de 12 ans. Et pour ça, j'ai fait le sacrifice ultime en vendant le train électrique de mon frère. Eh ben, c'est du joli. En tout cas, grâce à la batterie, Phil Collins s'intègre à l'âge de 19 ans, Genesis, une des formations phares des années 70, aux côtés de Peter Gabriel. Son ascension est alors fulgurante, il devient bientôt le chanteur du groupe. Une véritable rampe de lancement pour Phil Collins. Avec Genesis, il accède au statut de pop star. L'album Weekend Dance se vend à plus de 10 millions d'exemplaires. Cette pluie de dollars lui fait un petit peu oublier sa batterie. Enfin, pas tout à fait. En concert, il s'accorde toujours son quart d'heure de défoulement. Malgré le succès, pas question pour Phil de ranger ses baguettes. D'ailleurs, quand il entame sa carrière solo, il trouve des mélodies qui font le tour du monde, mais il invente aussi un son de batterie unique. Et c'est devenu pour moi comme une corde au cou, ma marque de fabrique. Pourtant, c'était juste de la chance. Et oui, en concert, voilà le morceau que tout le monde attend avec Phil Collins, seul au centre de la scène. Superstar auprès du grand public, il développe à l'infini cette frappe violente comme la foudre dans chacun de ses tubes. Il devient même le batteur le plus demandé sur la scène internationale, y compris dans des pubs. Plus que jamais, il faut savoir écoutez bien. Ce son de batterie, c'est Phil Collins. Pour se battre. Il accompagne également les plus grandes légendes du rock, comme Eric Clapton. Et son jeu de batterie fait la différence dans les plus grands tubes des années 80, comme le Woman in Chains de Tears for Fears. Au total, Phil Collins et sa batterie sont apparus sur plus d'une centaine de disques. Bon, c'est pas un peu usant à la longue. Ça, je ne peux plus le faire. Tu vois, je me suis cassé le poignet. J'ai un os abîmé, là. Du coup, aujourd'hui, Phil ralentit un peu le rythme. Récemment, il était en tournée au sein d'un big band jazz et il a laissé les grosses frappes au vestiaire. C'est très différent de... Mais à 47 ans, cet Anglais paisible installé en Suisse rêve encore de belles parties de plaisir. Plus il y a de batterie, plus je suis content. Phil Collins que l'on retrouve sur notre carte météo des hit parades. Ah bah oui. Regardez, il est toujours numéro 1 avec son best-of en Irlande, c'est tout là-bas, mais aussi en Hollande, aux Pays-Bas. Sur la France, eh bien, pas de changement, c'est toujours Notre-Dame de Paris qui martyrise le top. Et puis la nouveauté, on va aller la chercher en Angleterre. Eh bien oui, c'est Cher qui est numéro 1 du top chez nos amis britons. Cher, l'actrice américaine, qui revient avec un nouvel album qui fait déjà swinguer les discothèques.